الفرنسية المبتدئين ونادي مخاطبة اللغة الفرنسية يديروا الأساتذة المتطوعين بقيادة الأستاذ حسن عبد الله فيتفضلوا مشكورين. بونجو. لا هذا بديها. بونسوار. لا شغال لا هاي كويس عندي بو شغل هذا قبال ما اراه اشتغل اشتغل Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes très ravis de vous rencontrer, comme chaque soir, sur le plateau des chercheurs soudanais pour parler de l'actualité au Soudan, de parler aussi de ce qui se passe sur la scène politique. Aujourd'hui, le mardi 28 mai, nous avons le plaisir de recevoir deux professeurs de français de l'Université d'Ilimen et de l'Université islamique d'Omdurman. Bonsoir, monsieur Bakli. Bonsoir, monsieur Hassan. Et bonsoir, monsieur Ahmed. Vous pouvez vous présenter en quelques mots. D'accord. Bonsoir, tout le monde. Je suis très ravi d'être ici pour la première fois. Et parler français, ça fait très, très plaisir. Parce que ça fait très longtemps. Moi, je m'appelle Ahmed Ismail. Je suis assistante de prof de français à l'Université de Nilen, également à l'Institut français de Khartoum. Voilà. Vous êtes les bienvenus à notre débat aujourd'hui. Merci à nos deux professeurs et bonsoir à tous ceux qui sont là et ceux qui nous regardent en direct sur la page Facebook de l'Initiative des chercheurs soudanais. Les derniers développements de la situation au Soudan, c'est que le mardi aujourd'hui, c'était le premier jour de la grève annoncée par la Coalition pour la liberté et le changement. Une grève qui a marqué un succès inattendu. Nous avons plus de 55 établissements de secteur public et de secteur privé qui se sont engagés dans la grève. Et Bakli, qu'est-ce que vous pensez de la grève aujourd'hui? Oui, c'était vraiment une grève inédite. Elle n'a jamais eu lieu depuis 1900. Donc c'était une grève inédite qui n'a jamais eu lieu depuis 1985. Depuis 1985,
c'est une grève pareille, mais plus forte que jamais. Une grève qui était soutenue par tous les secteurs, par presque tous les secteurs professionnels qui ont annoncé déjà, leur soutien à la grève générale, lancée par l'Alliance pour la liberté et le changement. Et nous ont, on dirige, accueillons les fruits, et ils sont vraiment des fruits très frais. c'était une rêve vraiment qui a apporté ses fruits. Merci Bakli pour votre intervention. Nous continuons nos débats en français. Je rappelle ceux qui nous suivent en direct de poser vos questions sur l'espace commentaire. Et ceux qui sont là, vous pouvez aussi agir, vous pouvez intervenir, poser des questions. Nous avons les experts politiciens, Monsieur Bakri et Monsieur Ahmed, qui sont là pour répondre à vos questions. Monsieur Ahmed, les médecins soudanais, les ingénieurs, les professeurs des universités, les pharmaciens et tous les professionnels soudanais se sont engagés dans la grève aujourd'hui, qui a marqué en fait un succès inattendu. Quel est votre commentaire sur l'actualité au Soudan? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui? D'abord, je dois commencer par dire que j'étais très choqué ce matin par le succès, de Grève. Voilà, je suis sorti le matin et tous les magasins sont fermés, tous les médecins sont chez eux. Et voilà, tous les grands médecins. Moi, j'habite à Al-Fitaha, le matin, toujours, il y avait personne qui travaille. Ça, c'est un succès énorme. Je pense que voilà, les Soudanais sont au courant, ils ont déjà l'habitude, depuis le commencement de cette révolte. Et on a pris finalement notre droit à nous exprimer, à faire des grèves, à dire non, ce qui est très important, de pouvoir dire non à voir ce qui ne marche pas, dire son avis. Ça n'existe pas. Tant qu'en jeune Soudanais, avant d'être un prof, je ne m'imagine pas un jour devant le siège de l'armée et m'exprimer avec cette liberté, ce qui est très très important. La grève a un très très grand succès, même pour les médias français. J'ai lu sur RFI par exemple, il y avait une bonne couverture de ce qui se passe au Soudan. Et nous sommes très très médiatisés, tout le média parle de nous, même en France, ce qui est un succès énorme. Voilà. Et bon, la grève de l'annonce à devenir une réalité, ce qui est un développement très remarquable. Aujourd'hui, l'association des professionnels soudanais essaie de faire pression à travers cette grève sur le conseil militaire pour transférer le pouvoir aux civils. Mais on n'a pas encore eu une réaction de la part des militaires. Nous n'avons pas entendu des déclarations ou nous n'avons pas eu une conférence. Mais ce qui a été déployé sur les nouvelles à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est que certains soldats qui appartiennent à l'armée de l'intervention rapide, dont le président et le général Mohamed Hamdan Dagalo, ils ont attaqué de manière farouche des employés de la banque centrale du Soudan, et ils l'ont obligé de travailler malgré qu'ils sont en état de grève, ce qui a été un échec pour les militaires. Comment commentez-vous ce point, s'il vous plaît? D'abord, je pense que c'est un acte de barbarie arbitraire, alors qui indique voilà la mentalité des militaires.
c'est d'obliger les autres et les employés de travailler forcément malgré leur volonté. Et malgré ce droit garanti dans la constitution soudanaise, on pourrait s'organiser en grève pour revendiquer, demander ces droits. Aussi, cet acte, ces actions qui ont déjà lieu devant au centre de la Banque centrale du Soudan sont à condamner avec la plus farouche des manières possibles, avec les manières les plus possibles. Nous avons aussi vu les déclarations après la rupture du jeûne du vice-président, et ces déclarations ont déjà indiqué que la grève a eu un succès sans pareil. C'est ça ce qui montre ça. D'accord, merci Bakli. Je rappelle que le général de l'armée d'intervention rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, a menacé les employés du secteur public de les licencier s'ils ont fait la grève. Et malgré tout, nous avons eu une grève réussie, malgré les menaces, malgré les déclarations du chef adjoint du conseil militaire. Comment expliquez-vous cette volonté du peuple soudanais de maintenir le pouvoir pour les civils, et qu'est-ce que vous pensez de leur défi? Ça veut dire qu'ils sont, malgré les menaces, ils ont pu faire la grève et ils continuent. Demain aussi, ils sont toujours prêts à faire la grève et à répondre à l'appel de l'Alliance des professionnels soudanais. En fait, ce qui a commencé aujourd'hui va continuer aussi demain. Donc là, pourquoi il y a une grève aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas tous nos droits. Nous continuons à revendiquer ce que nous avons dit dès le début. C'est la chute totale de tout ce gouvernement, de toute cette idéologie de réprimer et d'interdire la vie. Je crois que ce qui est arrivé aujourd'hui aux banques nationales, c'est la continuation de ce qui s'est passé avant. Les employés ils ont aussi le droit de faire la grève, de dire non, je ne veux pas travailler. La continuation de cette même répression, de cette même vol de liberté, d'expression, non, ça va pas du tout. C'est ça mon réaction sur ce qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui. Voilà. Oui, effectivement, je sais pas comment dire, mais moi aussi, je suis très déçu par ce qui s'est passé dans le banque centrale du Soudan. Mais j'ai une question à poser à Monsieur Lebris. Est-ce que vous croyez que la grève peut aussi continuer de manière indéfinie? Ça veut dire que est-ce qu'on peut continuer à faire une grève pendant une semaine ou un mois? Et est-ce que les négociations qui ne continuent plus entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire, est-ce qu'ils seront reprises dans les jours qui viennent? Bien sûr, donc la grève générale n'est qu'une étape préparatoire à la désobéissance civile totale qui va bloquer toutes les activités à Khartoum, en particulier et dans tout l'ensemble du pays, le Soudan. Je pense que le conseil militaire, veut que l'intérêt général du pays soit à la hauteur des aspirations du peuple soudanais. Je souhaite que ces négociations soient reprises. Sinon, le conseil militaire ne veut pas donner ou transférer le pouvoir aux civils. C'est d'un côté. Et de l'autre côté, les négociateurs de l'Alliance pour la liberté et le changement doivent s'y unir, se rassembler autour du même
objectif, autour du même but, celui de voir un Soudan prospérer, celui d'avoir un gouvernement purement civil et de ne pas même priver les militaires de certains postes sécuritaires, de certains postes, puisque les militaires aussi ont soutenu la révolution soudanaise. Et je ne veux pas qu'on soit des ingrats. Mais aussi, le conseil militaire doit comprendre que le gouvernement qui va diriger ou la période transitoire qui va être dirigée par un certain membre des civils et des militaires vont travailler pour le pays, pour le Soudan. Et ça, on doit être à la hauteur du pays, du Soudan, des aspirations du pays. Car la grève aussi a certaines conséquences, parfois ces conséquences sont graves. Prenons par exemple, je vois qu'il y a certains secteurs, certains établissements, entreprises privées, qui sont des branches pour l'ancien régime, des entreprises partisans, et qui se sont aujourd'hui organisés à faire la grève. Ce qui m'a choqué et ce qui m'a aussi incité à poser des questions, à me poser des questions, pourquoi ces entreprises qui étaient des partisans et qui travaillaient pour l'ancien régime du Congrès national se sont organisées pour la grève, se sont organisées en grève. C'est ça la question qui se pose. Et qui nous invite à faire un tout petit retour en arrière autour du concept l'État dans l'État, l'État intérieur. Ce dont on doit peur, l'État intérieur, l'État dans l'État travaille et fait autant de choses pour qu'il puisse revenir encore au pouvoir, mais sous une autre forme. On doit faire attention à ça. D'accord. Je rappelle que les négociations ont cessé de continuer parce que y a les deux camps, c'est-à-dire les militaires et les civils, ne sont pas d'accord sur la présidence du Conseil souverain et que chaque camp réclame une majorité des sièges. C'est-à-dire que chaque camp veut avoir la majorité des sièges dans ce Conseil et qu'aujourd'hui... Les militaires n'ont pas encore réagi. D'après vous, pourquoi cet silence, d'après vous, monsieur Ahmed? C'est un silence inquiétant, parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. S'ils ne réagissent pas aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont réagir demain? Est-ce qu'ils sont en train d'attendre la fin de cette grève pour avoir une vision intégrale de ce qui se passe? Peut-être ils attendent la réaction du peuple soudanais. Parce que là, en fait, il faut dire les choses en clair. Parce que là, tout ce qui est grève, ça bloque un petit peu la vie quotidienne des personnes. Ça la complique, si on peut dire autrement aussi. Donc là, je ne sais pas. Peut-être ils attendent que les Soudanais disent voilà, la grève, c'est pas une manière efficace. Je ne sais pas. Et peut-être ils sont en train de réfléchir à une autre solution. Comment réagir? Parce que là, c'est une situation très, très, très compliquée. Tous les deux côtés, ils ont des difficultés à déclarer. Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont en train d'attendre la fin de cette grève pour déclarer. S'il y a une conférence ce soir, à la fin de ce jour, on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont dire. Ce qui est toujours reste inquiétant. Voilà. J'ai beaucoup d'inquiétudes sur leur séance. On passe à notre point sur la scène politique au Soudan. L'Union africaine a donné un délai de 3 mois pour le Conseil militaire pour transférer le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. 2 mois se sont déjà passés et il n'y a pas encore une vraie volonté de la part des militaires de donner le pouvoir aux civils. Est-ce que la situation va changer dans le mois prochain ou dans les jours qui viennent, d'après vous?
D'après moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, parce que là, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est imprévu. Il y a beaucoup d'imprévus qui se passent. Même cette révolution est imprévue. C'est difficile de prédire. On espère toujours le meilleur, mais je ne sais pas qui va réaliser les objectifs, les demandes, les réclamations des Soudanais. Très difficile de prédire. Voilà, vraiment, je ne sais pas. Moi, tant que Soudanais, tant que prof, tant qu'une personne qui travaille, qui fait partie de la force, qui travaille, j'ai beaucoup d'inquiétudes et j'ai beaucoup d'attentes aussi. J'ai envie de voir les étudiants continuer à apprendre, les médecins qui continuent à soigner les gens et y a tout le monde qui voilà, on a tous le même rêve, c'est de voir le Soudan mieux, de ne pas avoir envie de partir de quitter ce pays, parce que là même les gens qui sont ici qui m'écoutent maintenant, qui sont à Riyada en ce moment, ils ont l'idée de partir, de quitter le Soudan. Voilà, ce que je veux dire à la fin, c'est que je n'ai plus envie d'entendre un jeune Soudanais qui dit je suis déçu, je quitte le pays. Personne, peut-être, j'ai une question à te poser. Parce que c'est toi qui poses la question. Alors là, j'ai très envie d'entendre ton avis. Tu suis beaucoup les actualités encore, plus qu'au moins. À ton avis, pourquoi il n'y a toujours pas de rapprochement entre les deux parties majeures, les parties majeures, les militaires et les civils? C'est quoi ton analyse? Moi, je pense que la réponse est déjà très claire. Moi, j'ai dit que le conseil militaire ne veut pas donner le pouvoir aux civils. Donc, aujourd'hui, nous essayons avec tous les moyens légaux pour faire pression sur le conseil militaire et afin qu'il réponde à nos demandes, à nos désirs. Et je crois que c'est vrai que le président du conseil militaire est parti en Égypte pour rencontrer son homologue, le président Sisi de l'Égypte. Et le Sisi, qui est le chef actuellement de l'Union africaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je crois qu'aujourd'hui, le Conseil militaire cherche à être internationalement reconnu. Il veut convaincre l'Occident, il veut convaincre les pays de l'Alliance arabe qui sont au pouvoir au Soudan et qui sont capables de mener le Soudan jusqu'aux élections. Et ça veut dire qu'ils vont rester au pouvoir pendant 3 ans, comme a été déclaré par l'Alliance pour la liberté et le changement. Et j'y rajoute une chose. Si vous voulez être à la tête d'un État, soit en tant que militaire, la première des choses qu'on fait, c'est la légitimité internationale. On doit être internationalement reconnu par la communauté internationale. Et les militaires ont cette carte de pression sur la communauté internationale, puisque le Soudan est un acteur majeur dans la stabilité de la région, et la stabilité régionale même, acteur majeur dans le processus de réprimer les attaques terroristes, le terrorisme. Le Soudan est vraiment un très grand acteur majeur dans ce processus de paix. Et la communauté internationale, à son avis, un conseil militaire vaut mieux qu'un gouvernement, un conseil militaire très fort qui pourrait garantir la stabilité la stabilité régionale qu'un gouvernement civil avec des détériorations au niveau de la stabilité régionale.
C'est ça, la communauté internationale cherche cela. Car pour des raisons dimensionnelles, s'il n'y a pas de stabilité régionale, stabilité dans le pays, dans l'ensemble du pays au Soudan, cela va engendrer des problèmes graves, des conséquences que la communauté internationale va subir. Par exemple, les flux migratoires, l'immigration clandestine, l'exportation des soldats terroristes ou des gens terroristes, et l'installation de l'État islamique ici au Soudan. Par exemple, il y a quelques jours, des membres de l'État islamique ont déjà annoncé leur installation. Ont déjà exprimé leur volonté de trouver un lieu, c'était au Congo, où l'État islamique pourrait s'installer. Et ça, ce serait une très grande peur, une très grande et profonde inquiétude pour la communauté internationale. La communauté internationale ne cherchait pas un pays où la démocratie s'installe, à mon avis, et cherche la stabilité régionale, la stabilité pour que la sécurité des pays, la sécurité en priorité pour l'Europe. L'Europe, le continent africain en général, et le Soudan, l'Égypte, la Libye sont la porte vers l'Europe. Et ça, qui va faire autant de pression, autant d'inquiétude pour la communauté internationale. Bon, je continue à parler de la communauté internationale qui n'a pas encore réagi par rapport à ce qui se passe au Soudan. C'est vrai que certains pays européens et les États-Unis d'Amérique, ils ont demandé clairement aux militaires de donner le pouvoir aux civils, mais on n'a pas encore vu quelques procédures effectives qui pourraient pousser le pays à sortir de cette crise. Ça reste des déclarations et ça reste des choses à dire, je ne sais pas, mais on n'a pas vraiment encore reçu, par exemple, il n'y a pas des pays européens ou de la communauté internationale qui ont annoncé le fait qu'ils ne seront pas en alliance avec les militaires s'ils sont restés au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de la coopération entre les militaires et la communauté internationale dans le cas où les négociations ont échoué et que les militaires sont toujours au pouvoir? Est-ce que vous croyez qu'il y aura une solution pour cette situation, Petit? Autant de solutions qui sont sur la table. Par exemple, le Conseil militaire a autant de solutions, par exemple, si les négociations parviennent à l'impasse politique. Le Conseil militaire va négocier avec d'autres forces politiques à part l'Alliance pour la liberté, à part l'Alliance pour la liberté et le changement. Car le Conseil militaire cherche une légitimité. Et c'est très facile de déshabiller de sa veste militaire et s'habiller avec une veste civile. Très facile. Et même si je pense que dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, donc, si ces négociations sont déjà parvenues à l'impasse, le Conseil militaire va annoncer un ministre et un premier ministre qui devrait former un gouvernement civil à part, et c'est d'un côté, mais on ne peut pas évaluer l'ampleur des décisions qui seront prises par l'Alliance pour la liberté et le changement. Autant de choix, autant de solutions qui sont sur la table devant nous. Mais on préfère celles qui seront des serviteurs pour le pays
et non sa destruction. Donc demain sera le deuxième jour de la grève. Les manifestants continuent à exprimer leur désir d'être gouvernés par un état civil. Je n'oublie pas ceux qui nous regardent en direct. C'est peut-être qu'il y a des questions à poser. Je passe le micro à M. Ahmad s'il y a des questions. Bien sûr, il y a des questions et des commentaires aussi. Voulez-vous que je commence par les questions, les commentaires? Bon, il y a Adel Hassan qui dit la grève la plus réussite aujourd'hui et nous sommes sur la voie d'Oula. Dès le sens civil, j'arrive pas à dire vraiment ce qu'il dit. Il y a Sadi Gormal qui dit vouloir c'est pouvoir, c'est pour cela Allah fait al-bal. Je sais pas, utilise le mot que nous utilisons tous maintenant. Il y a aussi une question de la barre d'où une question et un commentaire de la barre d'où de Tayyib Ahmad. Faites attention, il y a une question et un commentaire. Atayib dit bonsoir les peuples. Félicitations pour les jeunes soudanais et la question, c'est ce que la situation que nous avons faite aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la liberté, la fraternité et l'égalité? Il utilise le slogan de la Révolution française. Bon, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui a commenté vouloir c'est pouvoir et pouvoir c'est pouvoir. Je pense que nous devons nous unir. C'est-à-dire nous sommes actuellement dans une étape qui exige une union intérieure au pays. Nous devons être tous faire face au régime militaire qui est pour moi un prolongement ou une reproduction de l'ancien régime d'El-Béchir. Moi, je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de passer à une période de transition démocratique où il y a la liberté d'expression pour tout le monde, où il y a la paix. Nous devons continuer aussi les négociations, même si le pouvoir a été transféré aux civils. Nous devons aussi inviter ou appeler tous les mouvements armés au Soudan, à Darfur ou à la région du Nil Bleu pour participer au pouvoir, pour que le pays commence une étape de paix, d'une vraie paix. Et bon, je crois que aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du conseil militaire, et ils savent bien que le régime militaire ne peut pas aider le pays à sortir de la crise économique, ne peut pas aider le pays à améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais voilà, moi je ne comprends pas pourquoi ils insistent à rester au pouvoir. Et alors que les révolutionnaires soudanais et les manifestants, les protestants, ils ont fait passer un message très clair au Conseil militaire, à la communauté internationale, et qu'ils ont une seule réclamation. La réclamation, c'est de transférer le pouvoir aux civils. Donc moi, je pense que là, il faut encore travailler, il faut continuer les manifestations pacifiques. Je confirme encore que nous voulons des protestations et des manifestations pacifiques. Nous n'avons pas d'autres moyens pour faire pousser nos demandes et nos exigences. J'ai aussi le plaisir de recevoir sur le plateau un cher ami et un professeur de français, Mohamed Al-Hadi, qui a été là depuis une semaine. Bonsoir, monsieur Mohamed. Bonsoir, Hassan. Bonsoir, tout le monde. Je suis désolé de voir arriver en retard. D'accord. Mais bon, alors, ça, c'est première journée de grève annoncée par l'APS, Association des professionnels soudanais.
Bon, alors, tout le monde est d'accord que sur la réussite totale, la quasi-totalité de cette grève. Et en fait, je viens de recevoir un message dans lequel le conseil militaire a accepté de reprendre les négociations avec l'APS. Il est tout à fait prêt de reprendre les négociations. Alors Bakri, est-ce que tu penses que voilà, ça c'est comme une réaction de la grève que le conseil militaire a accepté de reprendre? Et puis deuxième question, c'est est-ce qu'on est à peu près des élections? Okay. Donc la question qui se pose, pourquoi le conseil militaire a accepté de reprendre les négociations avec la SPA ou avec l'Alliance pour la liberté et le changement? C'est à mon avis pour deux choses. La première desquelles, le conseil militaire craint le retour de l'ancien régime. Comment le retour de l'ancien régime? Car parmi ceux qui se sont organisés en grève, il y a des grévistes qui sont des partisans de l'ancien régime et qui se sont vraiment organisés, pas en faveur de la grève, mais en faveur d'un retour tant espéré par ces partisans grévistes et opportunistes. C'est ça, et font cela. Et la deuxième desquelles, le conseil militaire, aujourd'hui, il voit qu'il y a autant de dommages aujourd'hui qui sont semés après cette grève tant espérée et qui a connu son succès cette journée. C'est ça, à mon avis, comme je l'analyse ainsi. Et oui, il y a quelque chose de très important, c'est le mouvement de président et vice-président du conseil militaire sur la scène internationale. Ils ont commencé à faire des visites vers les pays voisins. Donc ils ont commencé par l'Arabie Saoudite et l'Égypte et puis Addis Ababa ce soir. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent exactement derrière ces visites? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme j'ai dit hier pendant mon intervention ici sur le plateau des chercheurs soudanais, moi j'ai dit que la visite du président du conseil militaire en Égypte, c'était en fait dans le cadre de chercher les relations entre les deux pays. C'est ce qui a été en fait dit par la presse égyptienne et par la presse soudanaise. Mais est-ce qu'ils ont discuté en fait la situation actuelle au Soudan? Quel est le plan du président égyptien? Ça, on ne sait pas encore. Et par contre, le chef adjoint du conseil militaire, Mohamed Hamdan Dagalo, il est aussi parti en Arabie Saoudite pour rencontrer le roi Salman. Mais nous savons aussi que nous avons aujourd'hui une armée qui fait la guerre au Yémen et qui participe à la coalition arabe qui fait la guerre au Yémen. Donc on peut aussi comprendre que cette visite était dans le cadre de ménager en fait les choses pour que les frappes aériennes lancées par l'Arabie Saoudite réalisent ses buts. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question là? Oui, évidemment, vous avez bien répondu. Mais aussi, il y a une autre question qui sonnait derrière la réponse. C'est ils font les visites en tant que cookies. Ils ne sont pas encore légitimes. Ils ne sont pas reconnus par le peuple soudanais. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Mais voilà. Pas tout à fait accepté par le peuple soudanais. Alors quand il move, quand il voyage au nom du peuple soudanais, là, il y a des lignes rouges, comme on dit.
à mon avis, je dois chasser. Quand je réfléchis, je dois chasser sans le rendre doux le contexte émotionnel. Le contexte émotionnel, et je prends les choses au sérieux. Ces visites ont des buts bien clairs qui sont et qui indiquent on est dans quel camp. Car au Moyen-Orient, il y a deux camps, le camp de l'Arabie Saoudite et celui du Qatar avec la Turquie. Et nous en avons choisi celui de l'Arabie Saoudite. Oui, oui. Oh, les pays pétroliers, bien sûr, sont riches, comme le dit toujours Donald Trump. Vous devez payer pour vous protéger. Et même, pourquoi on a choisi ce camp ? C'est pas moi en tant que citoyen, mais par exemple le Conseil militaire. Le Conseil militaire veut mettre les qu'on dirige les euros sur les lettres. Les euros sur les lettres. Et il dessine un plan bien clair. Oui, il va peut-être céder le pouvoir à des civils, mais des civils qui sont partisans et qui sont partisans pour le conseil militaire. Et les Soudanais se sont organisés, ce sont pour ils ont déjà organisé et fait une révolution contre la dictature qui s'habillait l'habit de moine. L'habit de moine. Et tu comprends? L'habit de moine appartient à quel camp? À celui de la Turquie, à celui du Qatar, et ça. Maintenant, si vous demandez à des interlocuteurs qui nous écoutent et qui nous suivent, vous êtes pour quel camp ? Celui de l'Arabie Saoudite, celui du Qatar ? Et je prévois la réponse qui sera celui de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite sont contre le courant islamique. Excusez-moi, Bakri, mais voilà, au début, quand Hemeti et s'appelle comment le. Non, les Burhan, quand ils font les visites en Égypte et en Arabie Saoudite, voilà, on peut comprendre ça. Ça, c'est là où il y a l'armée soudanaise. Mais alors, comment est-ce que vous voyez la visite à Djouba et puis à Addis Ababa? Donc, est-ce qu'on ne peut pas être un pays voilà, indépendant sans avoir, sans être reconnu par les autres pays? C'est-à-dire, ça c'est notre révolution, on doit la construire nous seuls, sans l'intervention étrangère. Parce qu'au début, visite au pays de Gaulle, ça c'est compréhensible, on peut comprendre ça, il y a l'armée. Mais voilà, autre visite. Ça, là, pour moi, ils cherchent une légitimité internationale. Non, pas du tout ça. Donc, les visites à Juba, à Addis Ababa, dans les pays du Golfe, sont déjà, pour moi, compréhensibles et connues. Pour Juba, c'est pour garantir la sécurité de la part sudiste, voilà, et pour dire au monsieur le président Sid Fakir, vous devez garantir la sécurité et la stabilité de cette part à sudiste. Déjà garantie. Et rendre la voie pour les rebelles qui veulent, s'ils veulent entrer dans la direction du sud. Addis Ababa, c'est pour aussi traiter, c'était la visite, c'était après celle de l'Égypte, pour traiter le dossier de, qu'on dirige, parage d'Onarda, de la Renaissance. C'est ça, je l'analyse ainsi. C'est ça. À mon avis, je pense que aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a le droit de construire des relations avec d'autres pays
mais à condition que ces relations soient basées sur des intérêts communs et bien justifiés. Donc je pense que faire des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, bah, je pense que nous ne pouvons pas séparer le Soudan du monde. Nous vivons dans un monde, il y a des pays, voilà, des pays voisins, des pays dans la région. Nous avons des intérêts économiques et politiques avec ces pays-là. Et moi, j'encourage, en fait, je ne suis pas du tout contre le fait de renforcer nos relations avec les pays voisins. Moi, je pense que ça va réaliser encore des intérêts pour le Soudan. Je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue, mais ce n'est pas encore tôt de construire les relations. Il faut commencer par construire notre maison de l'intérieur avant de le construire par l'extérieur. C'est-à-dire faire des visites, c'est encore, pour moi, c'est un peu tôt de visiter les pays parce que ça fait partie de la diplomatie. Mais ce n'est pas le rôle du conseil militaire de construire. Vous avez, qu'est-ce qu'il y avait comme réaction par Iran après le mot de Daglou. Donc c'est un peu compliqué de faire des visites sans avoir construit votre maison de l'intérieur. Oui, vous avez raison qu'il faut d'abord résoudre les problèmes intérieurs, mais ça n'empêche pas ceux qui sont au pouvoir à construire des relations avec des pays étrangers. Moi, je pense que les choses doivent aller parallèlement, ça veut dire qu'on doit travailler à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Nous cherchons, en fait, parce que même les pays voisins, les pays dans la région en Afrique ici, ou soit dans le monde arabe, je pense que ces pays-là, ils peuvent aussi aider le Soudan à sortir de cette crise. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite peut jouer un rôle dans la transition à la période de démocratie. L'Égypte aussi peut jouer un rôle l'Éthiopie, l'Iran. Moi, je pense que je ne peux pas séparer le Soudan des autres pays du monde aujourd'hui. Mais ce que je refuse et ce que tous les Soudanais, le peuple soudanais refuse aujourd'hui, c'est le fait d'intervenir dans les affaires intérieures du Soudan de manière illégitime. Voilà. Je passe le micro à M. Ahmad qui est là derrière l'écran pour nous poser les questions et pour lire les commentaires aussi. Voilà, je vois que le débat se lance aussi sur Facebook. Il y a trop de commentaires, un vrai débat très très riche. Il y a beaucoup de commentaires et des questions. Je vais vous lire les plus importantes. Et déjà, je remercie tout le monde, ceux qui ont réagi. Alors là, je commence par... voilà. Il y a Hassan Al-Tayyib qui dit vraiment, je suis très ravi de vous voir, vous lancer vos messages à partir de la situation actuelle du Soudan. En français, bravo les gars, et vous vous encouragez. Merci beaucoup pour l'encouragement. Il y a aussi Mohamed Wero, je ne sais pas si j'ai bien lu le nom. C'est le plus bien travail de la gare, de la grève, je crois qu'il voulait dire. Ce que vous faites, le grand merci. Le grand merci est à vous, bon courage à vous et vous encourage aussi. Il y a Mohamed Nour qui pose encore une question, ça c'est plus en commentaire. Il dit, tout d'abord, il me fait que je vous félicite de cette prise de position en tant que linguiste. Ma question est, comment pensez-vous qu'une langue étrangère peut être un instrument politique pour la langue française aujourd'hui au Soudan et notamment sur le terrain révolutionnaire. Il voulait dire peut-être c'est quoi votre rôle à vous à jouer. Je vous passe le micro à répondre à cette question, c'est très important. Pour répondre à cette question, moi je crois que
aujourd'hui les francophones du Soudan, les anglophones et tous ceux qui parlent des langues étrangères peuvent jouer un rôle très important dans la révolution soudanaise. Et le rôle de ces personnes, c'est en fait de faire passer le message des révolutionnaires soudanais à tout le monde, au monde entier. Et je pense que nous avons réussi, en tant que des francophones soudanais, à faire entendre notre voix à la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Il y a des gens qui réagissent et des gens qui ont pu vraiment comprendre ce qui se passe sur la scène politique au Soudan grâce à ce plateau et grâce aussi au plateau du club d'anglais mené par nos frères anglophones. Bah, je pense que c'est ça le bon moment pour tous ceux qui parlent des langues étrangères au Soudan de travailler pour la révolution, de dire au monde entier qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, qu'est-ce que le peuple soudanais veut et quelles sont les vraies réclamations du peuple soudanais. Je pense que vous voulez dire quelque chose là. Je remercie même ceux qui ont commenté en nos faveurs et aussi cette question qui nous est capitale, comment une langue pourrait être un instrument politique. Oui, une langue, la langue sert de communication, n'est qu'un moyen de communication qui est autrement dit un porteur de sens, un porteur d'idées, un porteur qui s'habille. Qui a des habits en fonction de la langue qu'on veut parler. Par exemple, en français, on parle français, mais au-delà de cette langue, nous avons des idées à travers lesquelles on les fait passer. C'est ça. Bon, pas grand-chose à dire sur ce point, mais on revient sur les questions, sur le débat. À votre avis, est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste? Parce que voilà, notre pays, vraiment, soyons clairs, passe par une étape très, 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 très délicate. C'est ça. Donc, comment est-ce que vous voyez le Soudan dans les 10 ans qui viennent? La question qui se pose, comment est-ce que vous voyez le Soudan dans les 10 minutes qui viennent? C'est ça! Et pas dans 10 ans, car maintenant c'est l'étape la plus délicate dans l'histoire du Soudan. Tant de choses qui sont en rempart encelant. Encelant, vraiment, je le qualifie, excusez-moi pour le terme, le mot que j'emploie. Mais c'est ça. Je rêve d'un Soudan uni, je rêve d'un Soudan unifiant, je rêve d'un Soudan qui met les intérêts communs à la hauteur du peuple. Et ceux qui sont particuliers, riches à côté. Je rêve d'un Soudan où l'opposition prend une position bien claire, une position en faveur de la nation. Et s'éloigne de l'échec tant semé par les Soudanais. Les graves conséquences sont semées par nous. C'est ça. C'est le temps de cueillir les fruits frais et pas pourris. C'est ça, c'est le Soudan dont je rêve. Une opposition majeure, au niveau de la mentalité, au niveau de la pensée, au niveau de ça. Une opposition qui a une vision perçante et non myope. Un conseil militaire qui met les intérêts communs de la nation à la hauteur, à la priorité absolue du pays.
on ne doit pas se disputer autour des choses qui ne sont pas là. C'est le temps de bâtir la nation. C'est le temps d'être majeur et de s'éloigner de l'étape où il y a des mineurs. Oui, je passe le micro à Hassan. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Buckley. Je pense qu'on a besoin d'être tous des nationaux. Nous devons travailler pour le pays. Nous devons construire un nouveau Soudan, un Soudan sans racisme, un Soudan sans discrimination raciale ou culturelle. Nous devons respecter nos différences. Nous devons aussi accepter l'autre, quoi que ce soit sa religion, quoi que ce soit sa couleur de peau, ou que ce soit ses tendances ou ses désirs personnels. Moi, je pense que c'est ça le Soudan dont nous rêvons tous. Mais la question de le Soudan dans 10 ans, moi, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, parce que ce qui va se passer dans 10 ans, ça dépend de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui pourrait se passer demain aussi. Donc nous avons toutes les éventualités, toutes les possibilités. Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je pense que j'ai un rôle à jouer aujourd'hui. Je pense que je dois travailler pour mon peuple. Je pense que c'est pas le moment d'être optimiste. Je pense que ça, c'est le moment d'essayer de construire le Soudan. Je pense que je peux participer par mes avis personnels. Je peux dire ce que je pense, et ce que je pense pourrait être discuté. On peut s'entendre, on peut se débattre, et c'est ça ce qui fait avancer le pays. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une vraie conférence qui réunit tous les Soudanais. Nous devons les écouter tous, et nous devons en fait avoir des choses, enfin des choses en commun. Et bon, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, peut-être. Ceux qui sont là, peut-être que vous avez des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Oui, vas-y. Ahmed, s'il vous plaît, si vous allez nous rejoindre, c'est ma question sur la liberté. Sur le point de la liberté, est-ce qu'on commence en fait à être libre? Mais vous pouvez nous parler un petit peu sur ce point, la liberté, le Soudan libre. Ben voilà, c'est évident. On est tous libres. On est en fait devenus libres. On a ressenti notre liberté. Je ne sais pas, ils prétendaient nous donner notre liberté d'expression et de parler, de protester. Mais là, on a cette liberté. Voilà, je suis toujours étonné d'être ici, en face de la siège de l'armée, pour parler et aussi critiquer les armées, le gouvernement. C'est une très, très, très grande liberté. Voilà, la liberté aussi, c'est aussi sur les réseaux sociaux, les youtubeurs, les facebookers. Il y a des tweets, tout le monde parle avec liberté. Tout le monde utilise des hashtags avec liberté, hashtag Tazrodbas et les autres. Donc là, c'est une très, très grande liberté qui se voit sur les toits, sur Internet aussi, dans la vie réelle. Et ce que nous faisons maintenant, c'est une liberté aussi, non? Et puis, s'il y a des questions en arabe ou en français. Oui, merci. Comme chaque soir, à ce moment-là, nous sommes le club français ici. On parle sur la situation politique actuelle au Soudan. Merci beaucoup, mais j'ai quelque chose à ajouter. C'est une chanson d'Amal Pent, mais d'autre part, pour l'actualité ou bien pour marcher avec notre situation maintenant. Vraiment, écoutez bien, donnez votre attention un peu.
cassés dans des cases, fichés sur des fiches et discours tout passe, sans juger sur personne. Mais vraiment, qui fait l'histoire dans ce pays? Est-ce que c'est Hemeti? Non. Quand nous, nouveau Soudan, un Soudan niveau. C'est notre demande. Nouveau Soudan, un Soudan niveau. Quand on fonde le Soudan, quand on fonde le Soudan. Je viens de quelque part, mais je suis ici. Je suis ici. Nouveau Soudan, un Soudan niveau. Je vois quelque part, mais je suis encore ici. Merci beaucoup. Et c'est un peu. Et aussi d'autres. Ce n'est pas bien pour voler notre bien. C'est pour les 15 ans. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir. Et Salé. Évitez Salé. Salé. Ce n'est pas bien. Ali Ousmane. Ali Ousmane. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien pour voler nos biens. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Al-Fatih al-Izzeddin et Salé. Une cause, Salé. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Rabbi Abdul Ati. Une cause, Salé. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Le mouvement islamique est aussi Salé. Merci beaucoup. L'OTAN, oui, mais on peut créer des choses comme ça, si c'est bien. Ou si, je pense que ça marche avec nos situations maintenant actuelles. Merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Ahmed, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a même des questions très longues. Je vais faire un effort de résumer. Il y a par exemple. Ça, j'ai plus vu. Il y a. Tu fais passer. Donc, il y a, Ahmed Mohamed qui dit Dagalo est une milice armée par l'ancien régime. Je vais résumer. Il a utilisé un autre mot, c'est aussi génocidaire, ce qui est un mot très grave. Je ne sais pas. Dagalo, quels sont votre avis sur Dagalo? C'est ça ce qu'il faut dire en résumé. Aujourd'hui, nous savons tous que l'armée d'intervention rapide, c'est pas une armée qui a été officiellement construite. Je pense que ça fait partie des milices de l'ancien régime. Mais puisque les soldats qui appartiennent à cette armée sont des Soudanais, ça je l'assure, je pense qu'on peut les intégrer avec l'armée soudanaise. Ils peuvent participer à protéger le pays, à garantir la paix au Soudan. Nous ne voulons pas en fait une nouvelle guerre civile. Nous ne voulons pas les qualifier de rebelles ou les qualifier de choses comme ça. Je veux dire que tous les Soudanais aujourd'hui, ceux qui ont des armes à la main ou ceux qui n'ont pas des armes, ils sont tous invités à construire le nouveau Soudan. Mohamed Hamdan Dagalo, moi j'ai pas des critiques personnelles à lui faire, mais je pense que actuellement il a participé à cette révolution parce que il fait partie du conseil militaire qui a changé le régime des frères musulmans. Moi je pense que donc ça c'est une participation que j'apprécie, mais nous avons beaucoup de choses à faire après cette révolution. Nous devons discuter la situation de cette armée d'intervention rapide. Il faut chercher un moyen pour légaliser leur présence au Soudan. Donc, dire à l'armée ou aux forces rapides, aux forces de soutien rapide, donc qui sont une milice, oui, ils le sont,
mais il faut traiter cette question de la manière la plus sage. Il faut éviter la guerre civile. En tant que Soudanais, nous devons être des acteurs de la révolution, des sujets de la révolution et non des objets. Car ce que j'appelle, ça, j'appelle à l'objectivité de sujet, et bien si traiter les questions les plus compliquées de la manière la plus objective et de ne la pas prendre une question subjective. Nous devons partir du contexte subjectif vers celui qui est objectif, plus ouvert, traiter la question. Oui, ils sont les forces de soutien rabide, ils sont déjà légalisés par l'ancien régime, mais ils sont, aux yeux du peuple soudanais, une milice. Mais comment traiter cette question? Comment trouver des solutions qui pourraient satisfaire toutes les aspirations du peuple et même cette milice? Peut-être question en arabe et puis on traduit en français. S'il vous plaît, chabab, fi soual bel arabe ou ba'da, vous pouvez traduire bel français. Vous avez une question en arabe. Si vous avez une question en arabe. Chinois. 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 Entre-temps, on parle de cette force parce que ça, cela me fait peur, cette force d'intervention. ويعني بعدها ثاني حيكون في العصيان المدني إن شاء الله، لكن طبعا يعني أنا لما جيت بجاي سودانيس ريسيرشز فاونديشن، يعني هذا المكان مكان جميل ومكان رائع، وعندي مثلا أكلم دار وجهه لأحمد تي ولبرهان قول عليك الله افتح اللايف بتاعك هسه حاليا عشان تشوف اليوس اوف ذا بيبل اوف ذا سودان، يعني شوف الشباب اللي قلت انت شماشة، وشوف الشباب اللي قلتوا ما والبشير ذاته اذا ناس البريزون ادو يعني فرصه جانس ناس السجن لو ادو فرصه قول افتح اللايف ولوك اذا السوشيال ميديا وشوف الشباب في السودان يعني اللي قلت شماشة اي زول هسه من خلال انا وجودي وقاعد هنا والشباب المراقبين السوشيال ميديا هسه يعني في ناس شاهدوا بالكلام انا طبعا بخانسي ده يعني شوية كده كنت ده يعني لكن لقينا البيبول في اليونيفرستي ما الناس ما مهتمين بكده يعني عشان كده يعني الانجليزي شوية كده يعني الشباب تلقى ماجوريتي اوف ذا بيبول يعني بمشوا للغة الانجليزية لكن في تلقى في بيبول يعني بمشوا للفرنسي جزء بسيط عشان كده انا رسالتين وجهها لاحمد تي ولبرهان وعمر البشير واعوانه يعني اذا عمر البشير ده فكر كان فكر قبل ما 5 شهور دي قال يا أخي أنا بس دار شباب السودان المتخرجين أول حتى الآن كونتينيوز يعني مواصلين في الجامعات نشوفهم يعني هسه لو نظر خلال السوشيال ميديا ممكن الشباب ده يكونوا سفرة يكونوا سفرة في السودان يعني هسه حميد تاسا لو جاب جاي أنت بتقول له شنو ما عارف حتى الآن يعني حتى برهان ذاته ربما يكون عارف السولجر يعني يكون عارف العسكرية وعارف لكن هسه لو جاي له يعني فورنج مان يعني أو خواج هسه في هنا في الليدرز هنا في القيادة العامة هنا ما حيعرف يترجم كلام كون ده نحن بالرغم يعني education هنتعلمنا وكده لكن يزول عنده مجاله يعني في اللغة الإنجليزية والطب ميديكال يعني الحياة زي ده والتخصصات في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية عشان كده نحن ما نطلع عليكم الشباب ده يعني جماعة الناس المراقبين السوشيال ميديا حاليا في السودان في عمر القيادة العامة ونحن صابينا الشباب ده اللي اهتموا بهم يعني انتوا ما تقولوا خلاص يعني كنتوا انتوا براكم ولا تعلمتوا وصلتوا الدولة وانتوا خلاص الجيل الشافون ديل في الشعر ولابسين يعني اللبس طيق وتقولوا ديل ما متعلمين لكن عليكم والله كده انظروا لهم خلال السوشيال ميديا هسع وشوفوا الشباب ده يعني اكسلان كيف يعني في الانجليش وفي الفرنسي وفي كل اللغات يعني الهندية
وفي كل اللغات في العالم يعني الله سبحانه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد من الإسلام معا فعليه بالعلم يعني بالرغم الإنسان الإنز بتاعه مو يقول أنا كبرته يعني إذا تخرجت يعني من الجامعة ما تقول أنا كبرته يعني إحنا هسه تخرجنا زمان لكن لما نزل يجي مر بالشارع ويشوف البيبول يعني بتكلم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بتكون عندك الرغبة عشان تواصل زاد ودي ما لغة يعني أنا في مثل كده اداني لها واحد كده قال يا جماعة السودانيين ديل طبعا نحن في السودان يا جماعة منقوله طبعا آي التايم معلش يعني بس خمس دقائق كده آي عارف ده الإنجليزي عارفه آي بس دقيقتين بس قالوا يا جماعة في مصري بصراحة كده بس دقيقتين بس دقيقتين في مصري في السودان عنده مصنع والمصري ده طبعا كل يوم بيجيب مثلا معلش انا طبعا عندنا الشماليين والجنوبيين والفلات وكده قال يومين يجيب مجموعه يشتغلوا له في المصنع بكره يقول والله ما دايرين شغل ثاني بكره يجيب الجنوبيين زمن الجنوب معانا بكره يدوم حقه يقول له والله ما جايين ثاني بكره يجيب الفلاته برضه يقول له ما جايين في النهايه تعرف شنو المصري ده بكره ما في زول جاي له قال والله يا جماعه العالم ده كله ربنا سبحانه وتعالى خلق أمريكا تتكلم لغة إنجليزية بس فرنسي والفرنسا تتكلم لغة فرنسية والسعودية لغة عربية لكن قال السودان ديل لما ربنا خلقهم قال لهم يا جماعة تكلموا زي ما عايزين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم تحية لكم كبيرة يا جماعة شكرا للأخ الداخلي bon je pense que on est arrivé à la fin de cette séance aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis avec attention et nous continuerons nos débats en français demain et après-demain. Donc chaque jour, nous sommes là à 10h, à 10h du soir pour parler de l'actualité et pour parler des sujets divers. Je remercie nos invités, M. Mohamed Hadi, et je remercie aussi mon collègue Bepi. Et au revoir. Bonne soirée. Merci Ahmed aussi. Au revoir et à demain, c'est ça notre rendez-vous. Voilà, à 10h, à demain. Merci beaucoup. Merci.